Salut, zami moi. C'est rubrique Paola qui publie sous chaîne YouTube Ma Bible, mon trésor qui rentre la caille. Principal objectif rubrique ça, c'est pour capable motiver pour chercher gagner bon gens connaissance qui basé sur la parole de Dieu pour capable vivre plus bien. Jodi a dans numéro 944, nous pral présenter la quatrième parole de Jésus sur la croix. L'évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la langue araméenne, cette phrase se traduit ainsi. Eloi, Eloi, lama sabatani. Cette quatrième parole de Jésus sur la croix est une prière profonde et mystérieuse. C'est une prière dans la Bible là, malheureusement, nous pas jamais ka fin comprendre. C'est comme si nous ta comprendre dans prière ça, Dieu est abandonné par Dieu. Dans contexte passage là, ça fait déjà 3 heures, nos flammes soleil bien chaud, Jésus est suspendu par des clous à la croix. Cette quatrième parole de Jésus est un cri de détresse. Youn nan premier bagay ou capable comprendre nan cri ça, c'est que dans les deux cas, bagay la vraiment difficile. Lorsque vous abandonnez Dieu, c'est difficile pour vous. Et lorsque Dieu vous abandonne, c'est encore difficile. Et c'est ambiance qui pi grave, yon moun capable trouver là-dedans. Jésus lance ce cri de détresse à Dieu à cause de ses souffrances physiques. Deuxièmement, parce que les hommes l'ont rejeté. Et troisièmement, parce que Dieu l'a abandonné sur la croix à cause des péchés des hommes. Ésaïe chapitre 53 verset 5 nous dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et situation ça a montré nous tout bon vrai, combien Dieu a en horreur le péché. Péché a son bagage terrible et qui toujours provoqué une grave réaction de Dieu. Dans cette prière, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous capables de distinguer également un cri d'invocation. Quelle que soit l'énormité de votre péché et douleur, yon seul monde capable d'aider pour t'il. Dieu, Dieu seul. Ce cri d'invocation traduit la toute confiance du Fils en la personne du Père. Zami moi, leur besoin d'assistance, faut bien identifier à qui crier, à qui aller, qui invoquer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est également un cri de persévérance. Malgré le rejet des hommes et l'abandon de Dieu, le Fils persévère malgré la solitude. Le Fils persévère malgré les obstacles et surtout parce qu'il connaît, il doit accomplir sa mission selon la volonté de Dieu. Il persévère. De l'autre côté, c'est vrai, dans la prière, ça, nous joignons un seul pourquoi. Mais pourquoi ça capable de soulever dans l'esprit nous plusieurs autres pourquoi? Premièrement, pourquoi le Père s'est-il détourné de son Fils? Deuxièmement, pourquoi le Fils n'en connaisse pas la raison? Troisièmement, pourquoi fallait-il qu'un sang innocent soit versé pour le pardon des péchés? Pourquoi? 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 Réponse à tout pourquoi ça y a, bien quelque nous qu'a commencé à joindre dans la Bible. Par exemple, si sang pas coulé, pas de pardon pour péché. Hébreux, chapitre 9, le verset 22. Deuxièmement, c'est le corps meurtri de Jésus à la croix et le sang coulé qui bat nous la guérison, non seulement sur le plan spirituel, mais également dans toutes les autres maladies de la vie. Au capable lire 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Et troisièmement, pour bien comprendre c'est pourquoi, faut capable comprendre que le Fils, en acceptant de donner sa vie à la croix, a renoncé, premièrement, à son omniprésence. Jean, chapitre 11, le verset 15. Deuxièmement, à son omnipotence. Jean, chapitre 5, verset 19. Troisièmement, à son omniscience. Luc, chapitre 8, verset 45.
En un mot, Jésus s'est lui-même donné. Il s'est dépouillé. Il a été obéissant et accepté la mort, même la mort de la croix. Pour qui ça? À cause de nous. Pour qui ça? Pour nous. Pour qui ça? Parce que lui tellement aime nous. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seulement le nom de Jésus. Ou même qui a des oreilles pour tendre, tendre. Et tant pis, qu'il y ait contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro de la 5e parole de Jésus à la croix. À la prochaine.